Lui, avec ce magnifique gilet jaune fluo, c'est Adrien. Il a 21 ans et il a le stage le plus dingue au monde. Prendre soin des Français venus s'éclater au festival Sziget. Installé au cœur de Budapest, ce festival est énorme. C'est plus de 440 000 visiteurs de toutes les nationalités. Au programme, 7 jours de concerts non-stop. C'est un peu comme un Woodstock, version hongroise. Paré de son superbe enthousiasme, Adrien fait partie du dispositif consulaire mis en place par l'ambassade de France à Budapest. Il est là pour porter assistance aux Français qui ont toutes sortes de problèmes. Le cas le plus classique qu'on a au festival, c'est le cas de la perte de papier. C'est des Français qui ont perdu leur papier pendant la soirée et qui au petit matin se rendent compte qu'ils ont perdu leur passeport ou leur carte d'identité et ils en ont besoin pour rentrer en France et du coup ils nous demandent de l'assistance sur ce problème-là. On a aussi des gens qui ont besoin de traduction. On a un garçon ce matin qui s'est cassé la cheville et qui a dû aller à l'hôpital et on lui a donné une facture en hongrois. Il était incapable de comprendre ce qu'il y avait dessus, du coup on a dû lui faire la traduction pour qu'il puisse régler notamment la facture. Cette année on attend environ 7000 Français comme l'an dernier et évidemment quand il y a une telle affluence, l'assistance consulaire est indispensable. En partenariat avec les autres représentations européennes, il n'y a qu'au Sziget que tu pourras voir un policier français, anglais et hongrois se balader tranquillement sans te mettre une grosse pression. Pour finir, on peut dire qu'Adrien aura eu la satisfaction d'avoir accompli sa mission et d'avoir eu le stage le plus fun de l'année.